Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sous l'épisode de Robocraft, chers amis. Et on récupère simplement la Silver Salvage Crate que nous avons pu récupérer grâce à nos daily, nos connexions quotidiennes. Et on se laisse là pour tout de suite. Je vous retrouve tout de suite, chers amis, à tout de suite. Je me rappelle plus si je me suis co hier, c'est la dèche. C'est la dèche, la dèche, c'est la dèche, oui la dèche. Bon alors, tu initialises ou pas, merde? Bilibim. Est-ce que je me suis connecté ou est-ce que j'ai une rusty à la con? J'ai une gold, c'est bon. Ouh, ça me sauve. Qu'est-ce qu'on a dedans? Parce que c'était le week-end, du coup je m'en rappelais plus trop. D'accord, deux pauvres machins verts. Pourquoi pas? Ok, bon! Re, chers amis, donc troisième crate, hein, c'est pas un opening, c'est du daily reward, c'est juste que j'ai fait le week-end. Hop, diamant. Et nous y voilà, nous avons du rare. Nous avons même un proto-seeker rare classique. Bien sûr, pourquoi pas? Bon! Ok! L'avantage des proto-seekers, c'est que je crois que normalement ils coûtent assez cher. Je reviens à l'instant, je vais juste vérifier un truc au niveau du son. On va avoir que attends, je vais peut-être pas pouvoir le faire de là. C'est pas ici, settings. Voilà, j'entends un peu plus de choses. C'est mieux. Un proto-seeker supplémentaire. Donc ça coûte combien un proto-seeker? Parce que j'en ai en avoir combien? J'en ai 3 en stock. Je sais que sur certains robots j'en ai. Je crois. Pas sur celui-ci. J'en ai placé 2 ici, ce qui m'en fait 5. Parce que voilà quoi. Proto-seeker, c'est pas l'arme la plus épique du monde, hein. What? Il coûte que 2500? 2500 le proto-seeker, mais il coûtait 1 million et... Bref. Bref. Alors, chers amis, j'ai reçu votre appel, hein, vous inquiétez pas. Je vous ai entendu dire que, avec la mise à jour, vous n'aviez plus de sous, du coup, vous ne pouvez plus acheter les robots. Mais écoutez, j'en suis malheureusement désolé, chers amis. C'est vrai que la mise à jour est très particulière. Je vais prochainement me mettre à faire des vidéos tuto. Il va falloir que je me trouve le temps de le faire. Cependant, là, j'ai envie d'un petit peu de gameplay. On va partir avec... Donc, on est avec quoi comme robot, là? On va partir plutôt avec le White Tiger. Non, on va partir avec le Sniper. Ça fait longtemps. On va partir avec le Sniper en Battle Arena. Et on se retrouve tout de suite, chers amis. À tout de suite. Voilà, re, chers amis. J'ai légèrement augmenté le son. Vous allez me dire si c'est mieux comme ça. Je pense que oui. Hop. Nous, on va partir par là. On va essayer d'aller sniper par là. Hop. Hop les, parfait. Essayer d'aller sniper tout ce qui bouge. Hop. Par contre, on évitera tous ces lags. Raté. Dommage. Il semblait l'avoir spoté, mais c'est pas grave. Je ne vois malheureusement aucun ennemi de là où je suis. Hop, dégagé. C'est parfait. Bon, on va reprendre le snipe. Ça fait du bien, je dois l'avouer, hein. On va quand même se remettre en position pour pouvoir sniper un petit peu à droite à gauche. Apparemment, il n'y a pas d'ennemi non plus, hein. Ah, par contre, ce serait bien que tu puisses remonter. Merci. Hop. On va passer là maintenant. J'ai vu un ennemi volant. Je crois qu'il a du ghost. Hop, parfait. Détruit. Donc il avait bel et bien ghost, je pense, hein. Alors je crois que j'ai spoté quelqu'un là-bas. Si ça c'est pas la classe. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai spoté. Voilà, mais tant que je ne vois personne, hein, de là où je suis. Hein. Il serait bien de spotter les ennemis, s'il vous plaît. Hop. What the... Hop. On va faire ça comme ça.
Hop. Hop, parfait. Need help ici. Hop. Il est solide en plus, eh. Oh. Voilà, touché. On serait bien que je fasse des dégâts à un moment ou à un autre. Allez, descend. Descend, parfait, ils l'ont eu. Juste que je fasse attention à ce bonhomme qui serait potentiellement là-bas. Regardez ça. Oh, ça touche! Ça touche, ça touche, ça touche. Hop. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Oh, mais jeu de merde. Jeu de merde. Je me fais tirer dessus par derrière en plus. Hop. Hop. Hop, voilà. Oh, mais ils sont combien? Oh, mais c'est quoi ce saut? Mais non, mais... Oh. What the... Mais non! Mais c'est quoi? C'est quoi ce bordel? Ah, mais ils sont trop solides. Ils sont trop solides, ces mecs. Et quand je parle de mecs, c'est je parle de mecha. Hein. Des mecs legs. Par contre, à deux ou à trois, ils ont récupéré toutes les... D'accord. Hop. Fais chier, lui. Hop. Allez. Hop. Oh là là, il y a des gros gros lags. Hop. Allez, butez-le. Parfait. Hop. Excuse-moi bonhomme, mais malheureusement j'ai besoin d'énergie. Energize! Bon, c'est bon, on est reparti. Oula, je me suis bouffé le mur. Hop. Tiens, touché! Quel dommage! On aura bien un qui l'aura. Je pense qu'ils l'ont eu. Par contre, ce serait bien de te prendre des dégâts quand je tire dessus, toi. Hop! Oh, ça touche là. Je suis désolé. Je suis désolé, ça touche, mademoiselle. Hop. Putain, je les ai vus, mais je les ai perdus. Ah, ce qu'il est passé en ghost, j'ai pas pu voir. Il me touche, d'accord, pourquoi pas. Hop, voilà. Ça c'est fait. Hop. Ok. Bon.
Hop. Ah la vache, ils sont nombreux à me sniper. Hop. Putain, déjà avec un snipe, avec un pompe. Seriously? Avec un pompe. Hop, je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je pneumatique. Oh putain. Oh, ça touche pas là. Quoi? T'inquiète pas, j'arrive. Hop. 135, ça gâche tout. Hop. Hop, voilà. Pardon, pardon, pardon. Oh putain! On va attendre là. On va régénérer un petit peu. Pas comme si on avait le choix de toute façon. Hop. De toute façon, ils m'attendent sur place maintenant. Ça, c'est pas bon déjà. Oh! Voilà. Ok. Oh! Voilà. Reste sur place. On va même faire une folie. Hop. Hop. Une folie qui ne marchera pas. Lui m'en empêche en fait. Lui m'empêchait de bouger, c'est un sac. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué. Non, non, bien joué là, pour le coup. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Bon. Ça va être un échec. 3 jours que j'ai pas joué à Robocraft et ça va être un échec. C'est véritablement dommage. Pourtant, c'est pas faute d'avoir une mauvaise équipe. C'est pas faute d'avoir une mauvaise équipe, mais c'est fini. Il aurait commencé par la tour la plus proche. Enfin bon. C'est ce qu'il fait apparemment. Oula, bah ouais, mais là il est mort. Ok. C'est con ça. Hop. Ok. Ce serait bien de récupérer une tour. Le plus rapidement possible. Oui. Hop. Kill le match. Hop, c'est bon. Hop. Ah, fait chier. Je l'ai pas vu venir, je l'avoue. Je l'avoue, je l'avoue. Leurs robots sont efficaces. C'est ça que ça on peut le dire, hein. Ils sont extrêmement efficaces. Et c'est tant mieux pour eux. Ils sont terriblement efficaces. Ils sont terriblement efficaces. Gage. Ah, quel dommage! Quel dommage, quel dommage, quel dommage! Bon, bah, GG.
Hop. J'ai pas eu le temps. Si. GG. Voilà. Bon. Bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est une belle game malgré tout. Bon, on va voir s'il n'y a pas autre chose à faire. Bon. Bon, bon, bon. Une pauvre steed. Ok, génial. C'est la fête. Level up, ça c'est cool. Est-ce qu'on passe avec autre chose ou est-ce qu'on retente avec le snipe? On va retenter avec le snipe, à tout de suite chers amis quand même. On va retenter parce qu'il mérite ce snipe. Re, chers amis, et j'en profite donc pour vous dire quelques petites choses, chers amis, au passage, vu qu'on a un petit peu de temps là. J'ai contacté Tipeee, le site de financement participatif, donc tipeee.com, je crois, hein, si je me trompe pas, ou .fr, je ne sais plus. Pour savoir comment ça se passait. Donc ils me l'ont expliqué, donc prochainement je pense qu'on va ouvrir un Tipeee. Et donc, et voir en fait en fonction de comment ça fonctionne véritablement en action, on va dire. Et voir si, bah écoutez tout simplement, vous seriez présent pour m'aider à financer des openings de box. Ou, j'y ai pensé aussi tout à l'heure, pourquoi pas, des cadeaux pour vous sur Robocraft. Je ne sais pas trop comment ça se passerait, je ne sais pas si on peut toujours faire des cadeaux au niveau de l'argent Steam. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de choses, je l'avais fait à une époque. Pour des amis. Maintenant je ne sais plus. On verra bien si c'est possible. Quoi qu'il en soit, sachez que c'est prévu. Hop. Hop, dégage. Hop. Hop. Oh, je l'ai raté. Hop, et voilà, ça c'est fait. Oh, ce lag. Ce lag de la punition. Ce lag du vol de kill. Oh, mais merde. Ça vient pas de ma connexion. Y'a que les ennemis qui lag, c'est quoi ce bordel? Ah, ils sont peut-être en platoon. What? J'ai de traverser la coque là pour essayer de viser le fond. Voilà. Ok. Semblerait que je me fasse sniper. Hop. C'est pas grave, t'inquiète. Je m'en sors parfaitement. Enfin, parfaitement, tout est relatif. En tout cas, d'une plutôt bonne. Quoique, je ne peux plus utiliser des ailerons. Eh ben, normal, j'en ai plus. Voilà pourquoi. Ceci explique cela, chers amis. Bon. On repart. Hop, on vise le milieu. Hop. Voilà. La moitié d'un robot, c'est toujours mieux qu'un robot. Mais te régène pas, ça vaut pas le coup. Hop. 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 Oh, quel dommage, le tir qui rate. Crac. Hop, les, voilà. Oh, je l'ai raté. Je voulais voler le kill d'un ami, mais j'ai pas pu. Raté. Oh. Ce demi-tour qui te sauve. Ce demi-tour qui te sauve la vie. Hop. Mais je te connais toi. T'es pas dans la partie précédente. Alors par contre là-bas il y a un...
Hop, voilà, merci pour m'avoir laissé ce kill. Je me sens moins seul. Excuse-moi l'ami. Hop. Il y a un ghost module qui passe là. J'ai essayé le noscope. Oh le pauvre! Il se bouffe le reste devant le nez. Voilà! Je l'ai eu. No suicide, man, no suicide. Alors. J'ai vu. Hop. Hop. Crac. Voilà. Que quelqu'un veut bien aller récupérer la tour. Je vais lui chatouiller les moustaches à la tour. Référence à Top Gun, chers amis. Référence à Top Gun. Hop. Quoi? What the? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Non. Allez. Hop. Un petit coup de régène, ça va nous faire du bien par où ça passe. Je l'ai pas vu venir lui avec sa méga SMG. Et vous allez le buter lui ou pas? Hop, ils l'ont eu. GG. Voilà, ça c'est une victoire, chers amis, en 6 minutes. Ben voilà un épisode qui n'est pas si mauvais. Bon, par contre, moi j'ai pas été très bon. Ah si, je suis 3ème quand même, j'ai un diamant. Oh la gueule, je m'en suis pas rendu compte. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va choper dedans? C'est parti, allez, ouvre. Rare. Oh putain, un cube d'hélium. Deux cubes d'hélium. Rare. Oh la gueule, c'est pas magique, hein. C'est véritablement pas magique, hein. Ok, juste pour voir les rares, j'imagine que oui, c'est pas les épiques. Voilà, c'est celle-là. On a eu celle-là et pas celle-là. D'accord. C'est que le début, d'accord. Bon, d'accord. C'est dommage. Bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Jour de la Playroom. Donc vous pouvez trouver le lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter vis-à-vis de l'utilisation de Tipeee, si vous souhaitez ou non tipper pour Tipeee. Tout simplement, hein. Parce que j'ai bien compris que c'était le terme qu'il fallait utiliser. Donc encore une fois, un grand merci à vous pour votre sympathie, pour votre soutien. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.